pour distribuer des tracts qui sont sur la table tout à gauche. Il y a des tracts qu'on peut prendre et puis qu'on peut donner aux délégués qui veulent bien venir par ici pour leur les informer pourquoi nous sommes là. Et puis de la même chose, j'ai demandé à Raymond de faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais donner la parole plus au niveau du contenu à Guy et puis à Rudy. Et donc, on va faire une série de petites actions symboliques pendant le temps que nous sommes présents ici devant l'UPOF. Voilà. Alors, merci d'être venu et puis bon rassemblement. Syndicat de toute l'Europe affilié à Via Campesina International. Ici, c'est Unitaire qui est le syndicat qui nous accueille avec l'autre syndicat. Je vois des amis d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, de Turquie, d'Autriche. J'espère que j'ai oublié personne, je m'en excuse. Belgique, excuse-moi. Voilà. Et il y a encore d'autres délégations qui doivent arriver. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui devant le siège de l'Union pour la protection des obtentions végétales? C'est quoi cette union? En fait, c'est un système de brevets particuliers pour les plantes. C'est la forme de propriété intellectuelle qui est déposée sur toutes les semences que nous achetons dans le commerce. Aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de cette union. Et nous sommes venus ici parce que c'était un système particulier qui allait pas mal pour les plantes. Ça a arrangé la concurrence entre les semenciers et nous, les paysans, nous avions le droit de ressemer notre récolte, nous avions le droit d'échanger nos semences. Et ils ont décidé de nous enlever ces droits. En fait, de devenir comme un brevet. Le certificat d'obtention végétale, il est déposé sur les semences que nous achetons. Et en Europe, pour la moitié des espèces, nous n'avons plus le droit de ressemer notre propre récolte. Pour le maïs, pour tous les légumes, c'est interdit de ressemer ses propres semences. Pour l'autre moitié, le blé, l'avoine, toutes les céréales, nous ne pouvons le faire que si nous payons chaque fois que nous semons nos semences. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord pour deux raisons. La première, c'est que toutes les semences de l'industrie, toutes sans exception, elles ont été sélectionnées avec nos semences, avec les semences qui ont été prises dans nos champs. Ce sont nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, des générations et des générations de paysans qui ont sélectionné toutes les semences qui nous permettent de manger. L'industrie, ils les ont prises dans nos champs, ils n'ont rien payé, ils ne nous ont rien demandé. Pourquoi faudrait-il aujourd'hui que nous payons quand on réutilise ce qui vient du champ de nos parents? La deuxième raison, et là elle est essentielle aussi pour tous les consommateurs qui achètent notre nourriture, pour que les consommateurs sachent que s'il n'y a plus de paysans, ils ne mangeront pas. Aujourd'hui, nous devons nous adapter au changement climatique. Nous devons cultiver en abandonnant les engrais chimiques, en abandonnant les pesticides chimiques qui nous empoisonnent. Nous ne pouvons faire cela que si nous adaptons nos semences à notre terrain, à nos terroirs. Pour cela, il n'y a qu'une seule manière de le faire. C'est de ressemer une partie de la récolte qui s'est adaptée à nos terroirs. C'est ça qu'on veut nous interdire. Et si on nous interdit ça, nous serons obligés de continuer à acheter des engrais chimiques, à acheter des pesticides pour que nos plantes poussent et à empoisonner l'environnement. Et nous ne pourrons pas nous adapter au changement climatique. Voilà pourquoi nous sommes venus dire à l'UPOF qu'il n'est pas question qu'ils nous interdisent de ressemer une partie de notre récolte. Qu'il n'est pas question que nous payions pour pouvoir ressemer notre récolte,
et qu'il n'est pas question qu'il nous soit interdit d'échanger nos semences. Rudy, tu veux continuer ? Membre d'Unitaire aussi, secrétaire à Unitaire. Alors, je veux juste peut-être dire deux choses en plus. Bien sûr que la diversité des plantes, la diversité du vivant, la diversité aussi du patrimoine génétique vivant, que ce soit du côté des plantes, mais aussi du côté des animaux, fait partie de notre patrimoine commun et doit le rester. Il est insupportable l'idée en fait que de laisser se privatiser ce patrimoine commun à toute l'humanité. C'est une idée absolument insupportable et contre laquelle il faut absolument se battre aujourd'hui, à l'époque où les marchés sont de plus en plus libéralisés, où les compagnies semencières prennent de plus en plus de pouvoir et se concentrent très rapidement pour prendre, en fait, pour mettre la main mise sur ce marché qui est évidemment un marché très important, le marché alimentaire, un marché absolument essentiel qui, dans l'intérêt commercial de ces entreprises, est bien sûr intéressant de contrôler, mais les populations doivent absolument, et les gouvernements doivent garder la main mise, en fait, sur ces droits essentiels qui est d'abord le droit de se nourrir, mais ensuite aussi le droit de maintenir une diversité cultivée dans les mains des producteurs. En Suisse, il y a deux choses par rapport à la situation en Suisse, il y a deux choses qu'il faut dire. C'est d'un côté qu'on a encore dans certains domaines, notamment dans le domaine des fruits et légumes, beaucoup de droits. En fait, on a quelque chose, on a une pratique assez libérale qui permet en fait aux producteurs de cultiver les vieilles sortes traditionnelles sans autre complications. Par contre, la Suisse s'apprête en fait à signer et à rentrer dans la législation européenne où on perdrait cette liberté-là de cultiver et de multiplier nos propres semences puisqu'on adopterait la législation européenne. Donc en Suisse, il faut vraiment qu'on défende ce droit et cette liberté de pouvoir cultiver les sortes traditionnelles, de pouvoir les sélectionner aussi, de pouvoir les améliorer les situations locales, dans toutes les situations locales diverses. Le deuxième aspect, c'est qu'en Suisse, en fait, on avait une recherche publique qui était très, très intéressante et qui a développé beaucoup de sortes, que ce soit au niveau des grandes cultures, cultures de céréales, mais aussi au niveau des cultures spéciales, fruits, légumes et autres cultures spéciales. En fait, on a vraiment eu un partenariat entre la recherche publique et des petites entreprises artisanales de sélectionneurs qui a permis l'obtention d'une série de sortes tout à fait adaptées en fait aux conditions climatiques suisses. Aujourd'hui, en fait, on a un retrait très marqué et très important du soutien public à la recherche à la sélection publique. Donc il est très important pour nous, Unitaire, aussi dans le cadre du droit à la souveraineté alimentaire, de maintenir une recherche publique dans le domaine de semencière. C'est à peu près ce que je voulais vous dire. C'est vrai qu'il faut absolument, là on est devant l'UPOV. C'est un premier pas qui va vers le brevetage du vivant et les frontières entre la protection et, des sortes et le brevetage sont de plus en plus flous et en fait on va vraiment vers une privatisation très rapide et du vivant. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Des personnes de toute l'Europe qui sont, enfin, de plusieurs pays d'Europe qui sont présentes. Je pense qu'il y aura l'occasion
de prendre la parole au fur et à mesure, puisqu'on est là pour un petit moment. On va faire ça par étapes. Je voulais vous informer aussi qu'on a décidé de planter un arbre. C'est un porte-greffe poirier qui va être planté là, sur une parcelle qui appartient en fait à la ville de Genève, donc qui est territoire, on va dire, public. L'idée, c'est que cet arbre grandisse tranquillement. Les locataires, il ne faut pas s'inquiéter, il ne va pas faire de l'ombre, il ne sera pas gigantesque. Mais l'idée, c'est que cet arbre puisse être un observateur permanent du travail qui se fait au niveau de l'UPOF, qu'il ait le regard tourné vers ce bâtiment qui se trouve derrière nous. Donc voilà pourquoi on avait trouvé sympa d'avoir ce geste symbolique de planter cet arbre qui sera normalement greffé si il reste sur place, qui sera ensuite greffé le 17 avril, la Journée internationale des luttes paysannes, avec un poirier à rissoles qui est typiquement de la région genevoise. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va pouvoir garder ce témoin de ce rassemblement d'aujourd'hui. Ensuite, on aura aussi l'occasion de distribuer un certain nombre de candidats. Il y en a déjà un ici, mais je crois qu'il y en a deux ou trois autres qui devraient venir aux élections fédérales, des sachets de semences qui, justement, puisqu'il est de plus en plus difficile maintenant de pouvoir échanger et distribuer ces semences, eh ben, ces personnes se retrouveront en quelque sorte dans le statut de receleur de semences. Et ils ont bien voulu jouer le jeu de receleur. Et vous aurez aussi l'occasion d'en avoir un certain nombre. Il y a aussi ici du blé albis de Suisse et puis du maïs que vous pourrez prendre aussi avec vous. Voilà, alors pour l'instant, je propose qu'on fasse une petite pause de 5-10 minutes et ensuite on reprenne les prises de parole. Je pense que ça serait intéressant qu'il y ait d'autres personnes, évidemment, de la coordination européenne via Campesina qui s'expriment. En fait, si vous êtes d'accord, on fait une petite pause et puis on reprend. Il y aura aussi la possibilité d'avoir un petit encas avec des produits régionaux qui se trouve là sur la table. Voilà. Alors, petite pause. Bon, moi j'essaye une petite. La souveraineté alimentaire, il nous la faut absolument. C'est grâce à elle que dès demain, plus personne n'aura faim. Moi j'ai l'impression qu'on pourra voir les gens qui viennent chercher chez avec la Via Campesina, c'est sûr on y arrivera. Ici, ailleurs, on ne peut pas se retirer. On ira jusqu'au bout. Pas question de privatiser la terre, l'eau et les semences. C'est bien commun, il est à tous. Pas question qu'ils y touchent. Avec la Via Campesina, c'est sûr on y arrivera. Ici, ailleurs, on peut partir. On ira jusqu'au bout. Bravo. Semez, semez les graines de l'espérance. Je vais semer en marchant. Alors Abdou, tu dis quoi ? Besoin d'aller de plus en plus en avant dans un paradigme agronomique qui dit qu'il y a de la résistance, parce qu'une résistance n'est jamais absolue. Une résistance, c'est qu'une emplâtre sur une jambe de bois, parce que la nature, forcément, elle va se réadapter très vite. Et c'est toute l'histoire aussi des OGM, de l'illusion de croire qu'avec des OGM, on va résoudre une problématique nourricière. C'est au contraire, c'est des populations diversifiées qu'il nous faut pour résister à la fois et pour s'adapter à la fois au changement climatique et aux conditions de culture. Et la recherche publique suisse, elle a vraiment travaillé dans ce sens-là quasiment jusqu'à aujourd'hui. On est en train de l'abandonner sous les coups des restrictions budgétaires et aussi sous le coup de la pression des industriels. Donc voilà, c'est une petite histoire autour de ce blé. Non, il faut le planter maintenant. Non hybride, parce qu'il faut savoir que le maïs est très très... c'est une plante qu'on retrouve beaucoup beaucoup et qui est cultivée à de très grandes échelles sous forme d'hybride. Des hybrides qui sont pas, disons... Qui
se resserrent pas de manière stable. Et, non, ils ne sont pas stériles, ils se resserrent, mais ils n'ont pas d'homogénéité, de stabilité génétique. Et ça, c'est un maïs de population, comme on appelle ça, hein, qu'on peut ressemer et puis qui garde les mêmes caractéristiques l'année prochaine. Et là aussi, on a en Suisse, en fait, on a des problèmes par rapport à ces sortes-là, parce qu'en fait, ils ne rentrent pas dans les critères d'homologation et d'enregistrement des variétés, parce qu'ils sont à spectre, ils ont une variabilité génétique trop large. Et pour définir une variété, il faut que ce soit très bien défini, qu'il y ait une stabilité génétique, très peu de variabilité génétique. Mais c'est donc très intéressant. Merci de cette explication. C'est très compliqué. Voilà, donc c'est-à-dire que...